Selon l'Organisation internationale du travail, environ 250 millions d'enfants de 5 à 14 ans travaillent dans des conditions dangereuses. Et pour l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, ce sont 73% des enfants victimes de violences, d'abus et d'exploitation ayant bénéficié d'une prise en charge qui ont été enregistrés. Des chiffres qui inquiètent à l'ONG AGI pour les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, contenus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, signée depuis le 20 novembre 1989, ne sont pas bien connus, aussi bien par les parents, par les communautés, par les citoyens que par les enfants eux-mêmes. Et donc le problème de mise en œuvre se pose. Et donc nous avons pensé qu'il est tout à fait normal de parler de ces droits de l'enfant pour que chacun puisse s'en imprégner. Pour Firmin Ekressin, président de cette ONG, un enfant dont les droits sont violés constitue un danger pour la société. Un message apprécié par certains élèves présents. J'ai retenu que le droit de l'enfant, c'est très important. Ça permet à l'enfant non seulement de s'épanouir et puis d'être considéré dans la société. Si les droits de l'enfant sont bafoués, l'enfant ne sera pas épanoui. Il va se soumettre à des mauvaises choses comme la drogue, l'alcool. Cette communication sur les droits de l'enfant, mais aussi sur la promotion des valeurs morales, humaines et citoyennes, se tiendra dans plusieurs établissements secondaires des quatre directions régionales d'Abidjan.